Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on est lundi 13. Lundi 13 septembre. Il est 8h15. J'ai amené ma puce vers 8h. On est parti d'ici à 8h à l'école. Oui, je suis toujours avec Podocol. Toujours avec peau de colle. Et voilà, ce week-end, samedi, ben, on avait fêté ses 6 ans chez mon père avec mon frère, ma soeur. Elle a été contente, elle a eu sa petite tablette. Elle a eu plein de jouets. Elle était contente, elle a reçu une Barbie avec un cheval. Elle s'est éclatée. Elle a joué avec ça. Elle a eu une petite poupée avec plein de petits chats aussi. La Barbie avec le chat, avec la Barbie cheval, c'était ma soeur qui l'a offert. Mon frère l'a offert une petite poupée comme ça avec plein de petits chats. Tout ce qu'il faut. Après, elle a eu un jeu de. C'est un puzzle. Je ne sais pas où elle nous a foutu, elle a tout rangé en plus. Attendez, je vais essayer de retrouver. Bon, j'ai retrouvé que la petite poupée. C'est la poupée, ça, avec plein de petits chats, avec deux petits paniers, les gamelles et tout. Ça, c'était le cheval avec la poupée Barbie. Alors, pour elle, c'est une licorne. On a beau dire que c'est pas une licorne, mais bon, si, voilà. C'est elle qui a fait la tresse. Alors, elle a joué beaucoup. Voilà, si vous vous rappelez, je crois que ça, je vous l'avais montré dans un des vlogs. Ça que je l'avais pris. Et en fait, là, vous avez plein de cartes avec des animaux. Et là, en gros, c'est aimanté. C'est à coller, là, les différents corps. Voilà, vous voyez. Vous faites comme ça. Voilà, à reproduire les dinosaures et tout. Franchement, ma soeur, elle a vu ça. Elle m'a dit, tu l'as acheté au PJ, je l'ai acheté à King Jouet. Et franchement, c'est pas mal. J'ai dit, mais tu peux y aller. Il y a plein d'autres trucs comme ça. Il y a de la ferme, il y a des animaux, il y a le zoo et tout. En plus, il y avait la copine à mon père comme elle aussi. Elle a des petits-enfants. Elle me dit on va prendre. Et la copine à mon papa et mon papa lui ont offert ça. On a pris une doudoune. Avec ça. En plus, ce qui est bien, c'est que dedans, elle est tout en polaire. Ça fait que ben, je devais acheter un manteau. Et ben, j'ai pas besoin de l'acheter. Vu que, voilà, je l'ai eu. Elle a eu. Le seul truc que j'ai à acheter, ben, c'est ses bottes pour cet hiver. Fourré de polaire aussi dedans, comme je lui prends chaque année. Voilà. Comme je lui prends chaque année. Et voilà. Là, en plus, ce matin, elle voulait mettre sa doudoune. Je dis, non, non, ma chérie, il fait pas assez froid. Je dis, ça sert à rien. J'ai dit, vers la fin du mois de septembre, là, oui, tu la mettras. Mais là, pour le moment, non, parce qu'ils annoncent encore du 25 pour aujourd'hui. 25-26. Ah voilà, on est resté un bon moment, elle était contente, elle a eu plein de cadeaux, des autocollants aussi de la Reine des Neiges. Qu'est-ce que vous voulez? Et en plus, à mon neveu, je l'avais pris, je voulais le garder pour le mois de décembre, mais en fin de compte, je l'ai donné parce que, mais encore, j'aurais pu le mettre au mois de décembre, c'est pas grave. Vous le verrez dans le hall Action, ou vous l'aurez déjà vu plutôt, oui, vous l'aurez déjà vu. Je lui ai acheté un pyjama Pilou Pilou de Pat' Patrouille parce qu'il est fanat de Pat' Patrouille. Et en fin de compte, il est un peu grand, mais ma soeur m'a dit, t'inquiète, il va aller, c'est nickel, pour comme elle vit dans les montagnes, et bien qu'il fait pas chaud, hein, ça ira très bien pour cet hiver. Voilà, je suis trop ça pour ça. De toute façon, au mois de novembre, pendant les vacances d'octobre, pardon. Oh, j'y retournerai à Action et je regarderai pour commencer pour décembre.
Sans mon neveu, c'est pas de patrouille. Voilà. En plus, la paire de draps que je lui ai pris à Morrigan, je lui ai mis hier sur son lit. Elle est super contente. Et je les ai lavés, ses pantoufles aussi. Et j'ai tout mis hier. Elle était super heureuse parce que je l'ai installée sur son. Je l'ai fait sur son lit. La tablette, elle a plein de jeux qu'elle joue. Elle a le contrôle parental. Alors, voilà. Là, Marlène doit recevoir la coque aujourd'hui. Voilà. Pour ça, elle a été gâtée, mon bébé, aujourd'hui, pour son anniversaire. N'y a pas de souci. Voilà, on a resté toute l'après-midi, en gros, on est parti, quoi. Je suis partie, on est arrivé là-bas, c'était 3 heures, ouais, on est resté, je vois, jusqu'à 6 heures par là. En plus, ce week-end, on a passé le week-end chez maman Marlène. Dimanche, moi, personnellement, je vous dirais, mais à part changer le drap du lit de ma fille, faire tourner des machines. Si, j'ai fait ma sauce tomate hier, que là, je l'ai mixée et tout, et il faut que je la mette dans les plats pour au congélateur. Alors, vous avez quelques-uns à me demander comment je fais ma sauce tomate. C'est très simple. Oh, j'ai un truc dans l'œil parce que je vois foutu là. Je vois ainsi là. Alors, c'est très 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 simple. C'est que je mets. C'est simple, je prends mes tomates alors. Il y en a qui enlèvent la peau. Vous mettez dans l'eau bouillie, vous mettez juste et vous ressortiez pour enlever la peau. Je les coupe en morceaux. Comme bien sûr, je les lave avant. Je les coupe en morceaux, j'enlève le petit truc vert. Bon, je les coupe pas en petits, je les fais moyens. Comme ça prend le temps à cuire. Voilà. Je les coupe en morceaux. Là, j'ai fait tomate jaune, tomate verte et tomate rouge. Normalement, c'est que des cœurs de bœuf que j'ai pris. J'ai essayé de prendre que des cœurs de bœuf parce que c'est vrai que les cœurs de bœuf, elles ont une chair et elles sont super bonnes. Je les coupe en morceaux. Je mets tout dans la casserole. Je mets de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Alors, si vous voulez, moi, je mets des herbes de Provence. Il n'y en a que non. Là, j'ai fait avec ail et échalote. J'ai mis dedans. Et vous laissez cuire. Voilà. Bon, vous mélangez un peu pour que tout se mélange, le sel, le poivre, l'ail et tout. Et vous mettez le couvercle et vous laissez cuire. Moi, je le laisse cuire à feu très doux pendant 2 heures, voire 2 heures et demie. Je remue de temps en temps. Et quand ça fait à peu près 12 heures, 12 heures et demie, je mixe. J'éteins le feu et je la mixe. Je la mixe et après je mets de côté. J'attends qu'elle refroidisse pour pouvoir la mettre dans mes petits ramequins exprès pour aller pour le congélateur avec un couvercle. Et voilà, comme ça vous avez de la sauce tomate pour cet hiver. Et vous voyez, hier, on en a mangé. J'ai mis, parce qu'hier j'ai fait des pâtes, alors j'en ai mis un peu. Alors voilà, comment je la fais, et là vous êtes tranquille pour, moi je crois que là j'ai fait 2 kilos, même pas. Moi je dois avoir 2 kilos, voire même plus que ça. Ben, j'ai fait là dans ma casserole qui fait 4 litres, ben, j'ai 4 litres qui sont pleins, elle est pleine ma casserole. Voilà. Et après, vous sortez du congélateur, vous faites réchauffer, et voilà. Vous rajoutez par contre un peu d'eau, vous faites réchauffer, c'est nickel. Voilà comment moi je la fais ma sauce tomate. Parce que c'est comme ça que mon grand-père m'a appris et que voilà. Je fais. Bon, après, vous pouvez faire avec toutes les sortes de tomates. Moi, c'est vrai que j'aime bien mélanger. Il y en a qui font qu'avec des jaunes, il y en a qui font qu'avec des blanches. Moi, j'aime bien mélanger parce que ça donne un petit goût et voilà. Bon, en général, j'essaie de mélanger les mêmes races.
Oui, c'est comme ça qu'on dit. Moi, généralement, je prends que les quarts de bœuf. J'essaye de prendre que ça. Parce que, je vous dis, je trouve que c'est meilleur. Et que mon grand-père, il avait que ça, quoi. S'il avait plusieurs sortes de tomates, mais c'est vrai que ça en a. C'est la meilleure. Alors voilà, là je vais la mettre dans les pots, quoi, dans le petit ramequin au congélateur. Et comme ça, ben, j'ai de la sauce tomate pour cet hiver. Bon, vous allez me dire, on trouve des tomates quant à moi. J'ai fait, oui, on en trouve, mais vous pouvez en refaire après plusieurs fois, mais bon, c'est vrai que. Mais j'aime bien. Voilà. Alors là, aujourd'hui, je dois aller faire 4 courses. C'est attends. J'attends encore un peu. Ou pire des cas, j'irai en début d'après-midi, je vais voir. Parce que je vais racheter. Non, je ne sais même pas si je vous les montrais ou pas. Si, je crois que je vous les avais montrés le week-end dernier. Dans le vlog de la semaine dernière. J'avais acheté des petits, comme des petits Kinder au frais pour mon Regan. Et elle adore ça. J'ai dit que je l'en rachèterai aujourd'hui. Alors, j'ai arrivé à en racheter parce que j'en ai amené pour mon cousin, pour mon neveu aussi. Comme ça, elle en a mangé. Voilà. Alors, voilà pour ça. Là, ouais, aujourd'hui, il faut que j'aille faire les courses. Que je nettoie juste ce que j'ai dans mon lave-vaisselle. Quoi, dans mon évier, voilà, c'est des casseroles qui passent pas au lave-vaisselle. Mais écoutez, je vais faire ce que j'ai à faire. Ouh, je crois que. On ne l'a pas fini. Non, Morrigan, elle a pris son Capri-Sun, mais elle n'a pas fini. Et je ne vais pas laisser la paille dedans, sinon elle va s'abîmer. Ça rien. Alors voilà, là je vais ranger un peu. Je vais faire un truc, je vais faire les 4 courses, voilà. Mais écoutez, moi je vous dis à plus tard. Bon, re tout le monde. Il est 2 h. Ma puce est à l'école et tout. Dans l'autre action, j'ai acheté ça, vous savez, pour faire fondre la soupe Bouddha. Franchement, j'ai peur que ça sente trop fort. Non, c'est à peine fleuri, vous sentez à peine l'odeur, c'est super. J'adore. Hyper, je vais faire 4 courses ce matin et j'ai acheté ça. Désinfectant surtout, j'en ai mis dans la voiture, sur mon lit, sur le lit, à mon week-end, sur mon canapé. J'en ai mis un peu de partout. Oui, j'ai oublié de vous faire le rôle. Alors, à Morrigan, j'ai pris ça en fait. Elle adore ça. J'en ai pris 2 boîtes. Et j'ai pris des petits fromages comme ça. Elle les aime bien là, ceux-là. Et là, j'ai pris des nouveaux qu'elle n'a pas encore goûté. C'est des tout petits en forme d'escargot là. Ceux-là. On verra. Bah oui, c'est que j'essaie de prendre des trucs à base de lait. Pourquoi? Parce que Morrigan ne boit plus de lait le matin. Je sais pas pourquoi. Elle ne boit plus de lait le matin. Et voilà, c'est chiant. En plus. Ça, je m'en occuperai plus tard. C'est chiant. Alors bon, il faut qu'elle ait. Au moins, il y a un truc, une ressource de calcium. Alors voilà, j'ai trouvé ça comme ressource de calcium. Manger du fromage. Voilà, alors bon, ben. Ça, c'est des petites portions, elles sont super pour elle. Alors voilà. Wow. C'est bon, ma sauce tomate, elle est au frigo, quoi, au congélateur. Dans les ramequins au congélateur. Là, je vais ranger un peu là. Je vois qu'il y a des habits, je vais tout mettre les trucs à laver. Les cartons, j'ai jeté parce qu'on a reçu. On a reçu ces livres audio dans Morrigan.
Alors, bon, ben. Là, je les reçois par 4. Bon, maintenant, ça me fait 39 euros à payer presque 40 euros. Voilà, je les reçois par carte ou je les reçois par 3, je les ai par 4 maintenant. Je pense qu'il va me manquer. Je crois qu'il y en a 100, je suis pas sûre parce que là je suis au livre 80, j'en ai vu 80. Alors, mais viens mon cœur. Alors, on va voir. Ah oui, pot de colle. Ah oui. De mon gros, alors voilà, je reçois par 4 les dinosaures. Je crois que je vais recevoir à la fin, ah, ou pardon, à la fin du mois, ces dinosaures. Et là, je vais voir, je mettrai de côté pour aller au musée du dinosaure. Bon, bien sûr, il faut que je vois si c'est bien cette année qu'ils y seront. Pour aller au truc du dinosaure, là, pour au musée. Comme ça, elle sera contente. Hein? Mon bébé. Elle sera contente et comme elle adore les dinosaures. En plus, je crois que c'était pas bien cher. C'était 8 euros pour les enfants et 10 euros pour les adultes, un truc comme ça. Bon, là, je prendrai des sous un peu plus de côté pour lui prendre deux ou trois petits trucs là. S'il y a des petits trucs à prendre, des petites peluches, des jouets dinosaures et tout. Non, toi, t'es pas un dinosaure. Alors voilà. Voilà. Bon, oui, pour ma formation, vous êtes quelques-uns à me demander. La formation est finie. Alors, personnellement, dégoûté. Parce qu'en fin de compte, c'est pas du tout passé comme ceux qui disaient. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai dépensé de la thune pour des classeurs. Des bons, certes, ça va me servir pour plus tard, c'est pas le problème. Mais bon, ça fait chier d'avoir dépensé de la thune pour rien. Et en gros, juste pour me dire que c'est mieux que je fasse que je fasse vendre tout par une plateforme et qu'en fin de compte. J'ai calculé que si je veux vendre tout par plateforme, ben enfin, j'aurai aucun revenu. Niveau bénéfice, c'est que dalle. Que si je rachète et que je vends, je ferai du bénéfice. Voilà. En gros, 3 mois pour rien. Bon, ben ça, bon, de toute façon, j'ai fait de toute façon toutes les recherches. Bon, je m'en fous, c'était le but. J'ai fait toutes mes recherches, j'ai fait tout ce que j'avais à chercher. Mais en fin de compte, on vous donne 3 tonnes de trucs. Et vous voyez pas. C'est. Mais bon. C'est pas grave. De toute façon, pour moi, avant de faire mon entreprise, il faut que je trouve un travail pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Parce que pour moi, je veux pas. Je veux pas demander des sous à la banque. Et de toute façon, chez moi, là, je peux pas le faire. Ouais, je peux pas le faire. Alors bon, je verrai. Faut que je voie avec Pôle emploi aussi. Là, faut que je range un peu et que demain, ben, je voie avec Pôle emploi ou je vais mettre. De toute façon, j'ai juste à enlever les deux trucs carton là. Et je crois que je vais mettre sur Pôle emploi, regarder un peu tous les trucs et voir, essayer de choper ma conseillère. Voilà. Bon. Écoutez, moi je vous dis à plus tard. Bon, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est le 14 septembre. Mardi 14. Il est 8h35. Là, j'entends une amie qui doit venir me chercher. Elle veut faire des courses, je vais l'aider. Morgane est à l'école. Et
voilà. Il n'y a pas grand chose aujourd'hui de prévu. Juste que j'ai rangé un peu tout ce que de ce matin. J'ai regardé là un peu sur le site Gémeaux pour voir les nouveautés comme chaussures pour Morrigan, pour les bottes. Je les commanderai par internet ou j'irai fin septembre, début octobre plutôt. On va voir, on va voir. Je vais voir un peu tout, comment je vais faire. Et voilà. Et le pire, c'est qu'ils annoncent de la flotte, mais il fait chaud. C'est dingue. Ils annoncent du froid et j'ai chaud. En plus, là, il fait soleil. C'est tout va bien. Hein. C'est tout à fait normal. Mais bon, c'est pas grave. Ah, s'il faut aller mettre ma machine en route. Parce que là, Morgane, elle a eu piscine et elle a pas ses trucs de piscine. Alors, je vais mettre en route la machine. Comme ça, ben, tous ces trucs de piscine seront lavés, nettoyés pour sécher et tout pour lundi prochain. Ah. Bon, je vous dis, j'ai chaud. C'est affreux, quoi. Ils annoncent de la flotte avec des orages. Et en fin de compte, c'est le soleil qui sort. Tant de merde. Et bon, c'est pas grave. Voilà. Le chaton va bientôt arriver. Et après, ben, je vais faire boire la vaisselle. Je vais mettre ma machine à tourner. Comme ça sera fait. Mettre la vaisselle et ranger un peu ce que j'ai à ranger et à faire. Voilà. Pour ça, c'est pas une journée ouf, ouf. Voilà. C'est une journée. Normal, quoi qu'elle. Voilà. Son pyjama. Il faut jamais son pyjama sur son petit lit. Mon bébé. Et oui, mais Morrigan, elle se change ici au salon. Et pourtant, que quand pendant les vacances, elle s'habillait, elle sortait du lit, elle s'habillait directement. Là, non, là, elle s'habille au salon. Comme ça, elle regarde les autres tonnettes. C'est sur Netflix, elle aime bien les regarder, elle adore ça depuis qu'elle est petite. Elle adore les autonautes et elle a foi dessus. Alors souvent, c'est que ça. En plus, ah oui. C'est que... On a acheté une grosse protection à Morrigan pour la tablette. On l'a trouvée sur Amazon. En plus, ce qui est bien, c'est que derrière, elle pouvait la tenir. Elle n'a pas surtout du coup, elle est super rendante. Ouais, on a pris une grosse protection parce que voilà, avec les enfants, on savait pas trop. Et c'est Morgane qui a choisi la couleur. Bon, nous on a dit on va prendre un truc gros, pas fin comme j'avais avant. Que je vous montre avant, c'était ça, juste une petite simple coque de rien du tout. Et là, on a dit on prend une grosse parce qu'avec Morrigane. Voilà. Et ça, on l'a trouvé ça sur Amazon. C'est simple, Marlène l'a acheté samedi, elle l'a reçu hier, le lundi. Et si je me rappelle bien, je crois qu'elle était à 21 €, un truc comme ça, ou 22 €. Vous avez plusieurs couleurs, c'est elle qui a choisi la couleur. Voilà. Et elle est super mécontente. Vous avez, en fait, là, vous avez plusieurs protections. Vous regardez, même les boutons. Ils sont protégés. Alors là, vous pouvez voir à peu près comment elle est épaisse, quoi. Est-ce qu'en gros, il faut enlever ça, ça, ça pour pouvoir mettre. Et vous avez même aussi avec la protection pour la vitre. C'est super. Comme ça, si les parents qui ont des tablettes pour leurs enfants, franchement, bon, c'est génial. Et bien, écoutez, moi, je vais vous laisser vu qu'il y a du monde qui arrive. Bon, coucou, alors on est toujours lundi, là j'ai reçu un gros colis. Pourquoi? Parce que j'ai commandé pas mal de choses. Moi je suis obligée de la refaire parce que j'avais fait, mais j'avais ma mère Douzette là qui venait constamment et je veux pas qu'elle soit sur vidéo, j'en ai marre de faire des montages. En voulant. Oh, vas-y, bon, maintenant faut pas que je range tout, c'est pas grave.
Ah, c'est pas grave, c'est ici où ils sont tombés. Vous savez que je fais. Que je fais, vous savez, les petits trucs comme ça, là. Les coupages, oui, je me suis foiré des collages et tout. J'ai commandé pas mal de choses pour le faire. Ça, j'avais commandé ça, je l'ai reçu samedi, un livre. J'en ai commandé un tout petit, mais vraiment un tout petit. Tout petit. Mais vraiment un tout petit. Je me suis pris un comme ça aussi. Voilà. Un tout petit. Alors, je me suis pris plusieurs pinces et un scalpel. Parce que les pinces, c'est plus pratique. Et vu que là, j'ai tous mes ongles qui sont cassés, c'est plus pratique à attraper. Et le scalpel, c'est pour bien découper comme il faut les formes. Je me suis pris de la colle comme ça en tube. Je suis en train de. Ouais, c'est de la colle. C'est plus simple que le gros tube de colle. Des colles comme ça, je ne les trouve pas dans les magasins. Oui. Mais ça va arriver l'autre. J'en ai pris deux. Ça va. T'inquiète, ça va arriver. Ça va arriver. Mais pourquoi ils disent que c'est fini? C'est toujours les. Non, mais c'est pas compliqué. Pas un film en plus, c'est la saison n'est pas finie. Mais qu'est-ce qu'ils me font? C'est celui-là. Oui. Ah non, ouais, ça c'est la recharge pour mettre là. Ok, la recharge, et ben on va aller, c'est là. Ah, pas de soucis, je vais la remettre là. Non, je sais pas, j'ai un effet qui déconne. Il veut pas mettre le truc à la file. Hein. Je le rangerai tout à l'heure. Alors, après. Moi, j'ai pris beaucoup de choses pour ça. Ah, voilà. Comme ça. Ah, comme ça, c'est. Oui, je me suis pris de passion pour ça et j'adore faire ça. Voilà, c'est autocollant, ça se décolle, ça se recolle, c'est. J'adore. Ça fait passer du temps. Ça fait passer du temps, oui. Et ça me fait penser à autre chose. À pas penser à pas mal de choses. Et voilà. J'ai pris ça. Que des petits trucs comme ça, des trucs de portrait. C'est chouette. Voilà. Ah, mais j'en ai, quand je vous dis que j'en ai pris, c'est que j'en ai vraiment pris. Comme des diaporamas comme ça, c'est ils sont magnifiques. Ah ben d'accord, c'est ça qui s'est ouvert. C'est magnifique. Voilà, après.
En plus, bon, vous avez plusieurs couleurs, il faut savoir. Moi, j'ai à peu près pris toujours les mêmes, à peu près les mêmes couleurs, quoi. Pas tous, mais presque. Et surtout du marron, un peu noir. Et... Non, je fais attention parce qu'il y en a, ils sont vachement grands, les colis. Voilà, comme ça. Ah, ça. C'est en regardant des TikTok qu'il y en a qui font beaucoup de trucs comme ça et je trouve ça super beau. C'est ça. C'est des petits trucs comme ça. Avec des grandes feuilles. Comme ça. Voilà. Ça. J'adore. Voilà. Il y en a qui, je vous dis ça, il y en a qui appellent ça un journal intime. Sur tout le TikTok que j'ai vu, c'est comme ça qu'ils appellent. Un journal intime. Bon, de toute façon, après, il va falloir tout ranger. Ça, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai acheté pas mal de trucs de rangement. Ah oui, des pinces. Pour pouvoir tenir les cahiers ouverts, parce que c'est chiant, comme là, le mien qui est... Ah mince, je croyais que c'était épuré, mais c'est pas grave. Comme là, le mien qui est... qui commence à être plein. C'est pas les bonnes pinces. C'est pas grave. C'est pour les petits, mais pas pour le grand. Je croyais avoir pris des grandes pinces. Moi, c'est ça aussi avec AliExpress. Hein. C'est que. Vous savez, des fois, c'est pas les bonnes. Mais bon, ça ira très bien pour les petits et pas pour les gros. Bon, c'est pas grave. On trouverait bien une grosse pince. Et le dernier colis. Oh, de toute façon, là, je n'ai pas tout, il m'en manque encore. Ah, voilà. Oh. J'ai acheté ça pour ranger les trucs dedans. Vu que vous pouvez l'ouvrir pour ranger les petits trucs dedans et tout. Et vous pouvez accrocher ça à des classeurs. Voilà, j'en ai pris un lot de plusieurs couleurs, comme ça je suis tranquille. Voilà, comme ça, ça m'aide aussi à ranger tout le monde. Bon, ça, je pensais que ça allait être plus grand aussi, mais c'est pas grave. Bon, choupinette, elle s'éclatera. Et voilà. Voilà pour ça. Bon, et je vous dis, il en manque encore. J'ai pas tout. Bon, là, ce matin, ben, j'ai pas fait grand-chose. Parce que ce matin, moi, je suis allée... j'ai ma voisine qui est arrivée. De toute façon, je vous ai coupé au moment où ça a sonné. On est parti acheter ces trucs-là, faire 4 courses. Je suis allée à Pôle emploi poser les papiers que je devais poser à Pôle emploi. Je suis rentrée à la maison, on a bu un café, on a papoté 5 minutes. Et après, j'ai mon voisin qui est arrivé. Je suis allée voir mon voisine, parce que c'est un moment, je n'étais pas allée la voir. On a papoté, on est parti. Quoi, je suis partie, c'était l'heure d'aller chercher ma puce. Alors là, j'ai l'eau qui cuit pour les pâtes. Quoi, qui chauffe pour les pâtes. Et je vais faire des pâtes à midi, et voilà. Voilà pour ça. Mais écoutez, moi, là, je vais voir où en est l'eau. Je vais ranger mon bordel et je vous dis à plus tard. Bisous. Bon, coucou tout le monde. Ça va, je suis décalée là. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on est mercredi 15 septembre. Il est 11h35. Oui, je vous prends que maintenant parce que j'ai mon bébé à la maison et que j'ai profité de mon bébé. Voilà. Alors là, je vais vous montrer parce que j'avais fait une commande sur la maison... parfumé comme ça, hop là,
Oui. Alors, en plus, ce qui est gentil, c'est qu'elle marque. Bonjour, merci pour votre commande. Je vous ai remplacé une médaille framboise par un grand cannelle. Par, oui, un grand cannelle framboise, car plus de stock cordialement. Ça, c'est trop gentil. J'aime bien quand on vous précise pourquoi, parce qu'il n'y a plus de stock. Et de toute façon, c'est vrai que quand j'ai passé commande, il y avait certains trucs qui n'étaient plus en stock, que j'avais commandé, que j'ai mis dans mon panier, mais c'est pas grave. Alors, j'ai repris j'ai repris, ouais, 6 petits trucs comme ça, au macaron vanille. Ceux-là, je les ai pris. Voilà. J'ai pris mon macaron vanille. Alors, attendez, je vais tout sortir parce que. Ah oui. Je disais, la commande. Mettez quelque chose à la commande. Elle a fini au fond, c'est super. Alors, j'ai repris des nounours. Des nounours comme ça. Franchement, j'adore ces pots-là. J'ai repris des petits nounours comme ça. Oh mon oeil. Petits nounours. Ah oui, je les ai pris. Oh mon oeil encore parce que ça sent trop bon. Franchement, j'adore. Ça sent vraiment trop bon. Alors, mais c'est par celui-là qu'elle m'a remplacé à la framboise. Je crois que j'avais pris une médaille comme ça. Elle me l'avait remplacé comme ça à la framboise. Mais ça sent trop bon. Vraiment, ça sent l'odeur carrément du fruit. J'avais envie de manger. Mais moi, j'ai déjà un truc qui brûle dans mon brûleur là. Ce que j'avais acheté à Action, ça sent pas tellement fort ni quoi que ce soit. Alors, j'ai mis ça ce matin. Et sans penser que j'allais le recevoir aujourd'hui. Alors, j'ai pris ça. J'en ai pris deux. Ah oui. J'en ai pris deux comme ça. C'est à la rhubarbe fraise. Alors, je veux juste sentir que ça sent vraiment trop. Oh purée. Vous avez vu l'odeur de la rhubarbe, de la fraise, ça sent trop bon. Alors voilà, j'en ai pris deux comme ça. Ça, c'est un cookie chocolat, c'est un cadeau. Je donnerai à ma voisine parce que c'est vrai que moi, les odeurs chocolat, je suis pas très fan. Je donnerai à ma voisine comme ça, elle aura envie de manger du chocolat contre moi. Mais c'est moi qui adore le chocolat. Hein? Mais c'est moi qui adore le chocolat. Mais non, mais ma chérie, c'est une odeur chocolat. Je suis pas fan. Moi. Tu vas pas aimer non plus. J'en ai pris combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pris 5. Fleurs au monoï. Voilà. 5 fleurs au monoï. Voilà. Voilà mes petits achats que j'ai fait sur ma maison parfumée. Et franchement, je suis pas déçue. Bon, certes, là, j'ai payé un peu plus cher. Parce que je crois que à la maison, je l'ai fait livrer à la maison. Ça a coûté 8 euros en plus. Oui, je le faire livrer au Pangolais. Alors, j'ai fait livrer à la maison. Mais en plus, c'est qu'elle vous dit quand il n'y a plus de trucs, elle vous l'a marqué, c'est super. Alors là, je vais lui envoyer un mail comme quoi qu'il n'y avait aucun problème et qu'elle était super gentille. Et voilà. Pour ça, oui, parce qu'en gros, il me reste. De ceux que j'avais acheté l'autre fois, il me reste ça. Il me reste des trucs encore au mon oeil. Je sais mettre les temps. Alors voilà, il me reste. Il y a encore les petits oursons au mon oeil.
Ouh, si ça rentre. Voilà. Et voilà. Tout est là-dedans. Ah, il me restait juste un fond de monnaie. Je vais laver le pot et je vais le garder. Ou sinon, je vais voir si elle veut que je le rende. Que je lui renvoie. Je trouve ça trop classe. Alors voilà. Là, je vais tout ranger. Là, je vous dis actuellement, j'ai ça qui brûle. Alors, si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop les odeurs trop fortes ou quoi que ce soit, mais c'est top. Je vois qu'il est un peu débordé. Alors voilà, encore pour ça, j'en ai eu pour 41 euros, 42 euros avec les frais de port dedans. C'est vraiment pas cher, ça si je me rappelle bien, je crois que ça coûte 2 euros, un truc comme ça. Et bon, ça et les gros pots, ça coûte 9 euros. Mais franchement, elle fait des trucs super beaux. J'adore. Alors voilà, aujourd'hui, eh bien, je vais faire mon salon. Parce que hier soir... j'ai fait ma cuisine, quoi. J'ai nettoyé toute ma cuisine. Alors, normalement, je précise bien, normalement, parce que ça fait. Voilà. Et petit cul, là, tu fais quoi? Rien. Ouais. J'ai une de mes anciennes voisines qui n'a pas encore fini totalement des, quoi, là, déménager le plus gros. Elle a laissé certains meubles qu'elle ne pouvait, qu'elle voulait pas reprendre chez elle. Et elle doit m'en donner quelques-uns, tous ceux de sa cuisine. Alors, j'attends qu'on vienne les chercher. Alors là, je vais nettoyer mon salon, pousser un peu les trucs. Parce qu'en attendant, je vais les stocker dans mon salon. Parce qu'il faut que je range ma cave comme il faut pour descendre le gros meuble qui est juste derrière la porte. Vu qu'il est en deux parties. Et que j'ai la fille de ma voisine qui voudrait le récupérer quand j'aurai mes meubles. Et que je lui dis qu'il n'y avait pas de souci, que je stockerai dans ma cave en attendant. Il n'y a pas de problème. Ah mais pour ça, il faut que j'enlève tous les cartons parce que j'ai tous les cartons de Morrigan depuis de sa naissance jusqu'à ses 2 ans et demi, 3 ans. Et que ça, je vais les garder parce que je vais essayer de faire un vide-grenier avec. Mais bon, il y en a plein qui me disent ça sert à rien. Il y en a tellement qui les vendent qu'en fin de compte, il est fou carrément, vous savez, au container. Est-ce que pour Emmaüs ou la Croix-Rouge, ça, je devais le faire depuis... Pas mal de moi, mais bon, comme je dis, ça a envie de grenier de temps en temps. Ça fera 4 sous en plus. Et voilà. Pour ça. Et il faut que je trie, que je range un peu. Pour mettre les meubles et voir s'il n'y aurait pas un meuble qui irait là dans mon salon pour enjeu comme il faut les choses. Voilà. Bon. Écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais terminer ce que j'ai à faire. En plus, je suis naze, j'ai pas beaucoup dormi. Morgane, c'est pareil. Pourquoi? Parce que j'en ai deux qui ont oublié qu'on était mercredi aujourd'hui. Qui n'avaient pas de réveil. C'était pas la peine de venir me réveiller déjà à 6h du matin. Oui, mes deux gros bébés. Ah oui, mes deux. Oh, ma fille, oui, ça lui arrive de temps en temps de faire le loup, je sais. Voilà. Ma puce, oui, non, parce que Missy Gris, bon, lui, il s'en fout, il dort, c'est pas le problème. Mais Pikachu, comme il a dès qu'il entend mon réveil, il se réveille, il se met à miauler, je lui fais des câlins. On va faire ça, la commère là, comme il aime bien faire, sur le rebord de la fenêtre que je fasse ses câlins, et après il va manger sa patoune. Mais là, monsieur, il était pas content, alors il miaulait pendant un bon moment. Il allait réveiller Morrigan, il allait me réveiller moi en miaulant, en sautant, en faisant le fou, en jouant avec tout et n'importe quoi. Entre temps, elle avait entraîné Missy Gris, mais faisait pareil. Ben, au bout d'un moment, ben, vous vous levez parce qu'il y en a deux qui vous cassent les bonbons. Vous allez leur donner la patoune. Ben, dès qu'ils ont mangé la patoune, ils ont été contents, ils sont partis se coucher. Cool. Ils n'ont pas compris qu'il y a deux jours où il y a école, il y a un jour où on peut faire dodo. Après, il y a l'école. Ils n'ont pas encore pris le rythme de l'école. Mais bon, quoi. Ils ont pris le rythme de se réveiller tous les jours. Voilà.
Mais bon, c'est comme ça. Bon, nous, là, avec mon régal, on va terminer de ranger, jeter les cartons là que j'ai à jeter, et voilà. Mais écoutez, moi, Et je vous moi, fais. je joue. Oui, elle joue avec sa tablette. Mais écoutez, moi, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus tard. Et après? D'accord. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est quel jour? Jeudi, 16 septembre. Hein? Oui, là, le jour où vous réveillez, vous réveillez pas. Non. Il est 8h15. J'ai amené mon bébé d'amour à l'école. Et bon, toujours avec mon pot de colle, là. Toujours avec mon pot de colle. Et bon, il fait fou. J'annonce de la flotte encore pour toute la journée. Voilà, ça va, il pleut pas, mais bon. Il me fait gris. Ah oui, alors, hein, les journées de monsieur, c'est casser les bonbons à maman et faire dodo. C'est ça? Voilà. Non, là, aujourd'hui, j'ai terminé de ranger ce que j'ai à ranger parce qu'hier, j'ai pas pu faire ce que je voulais, quoi, finir ce que je voulais parce que j'avais horriblement mal à ma hanche. Mais ça fait des mois, ça fait un mois que j'ai mal. En fonction de comment je me tords, ça me fait mal. Et j'ai le dos aussi qui morfle. Mais bon. Alors là, je vais finir ce que j'ai à faire. On regarde pas de travers, toi. Pourquoi t'es de travers? T'as pas dit que t'es monsieur. Alors voilà, je vais faire ça. Et je sais que j'ai à manger. Et voilà. Après aujourd'hui, j'ai rien prévu. J'ai rien prévu d'exceptionnel. Mais vraiment pas. J'ai juste rangé ce que j'ai à faire. Oui. Si là j'ai une machine à aller faire tourner, je vais mettre une machine à tourner et ramasser le linge qui est sec hier. Et voilà. J'ai là aujourd'hui, c'est en mode. Voilà, cool. Hier, c'est vrai que j'ai passé plus de temps avec Choupinette hier que. Qu'à faire des trucs, quoi. Si j'ai fait. J'ai rangé ma cuisine. J'ai fait la salle de bain et tout, mais les WC et après j'avais trop mal. Quoi? Aussi, j'ai passé pas mal de temps au téléphone. C'est surtout ça aussi. Mais bon. C'est comme ça. Non, là. Non, je veux pas ça. Envers les autonotes. Non, j'ai dit envers. Oui, parce que ma fille en ce moment, c'est les autonautes. Elle a quand elle était petite. Je crois qu'elle avait 2 ans quand elle avait commencé à regarder les autonautes. Et elle a toujours été fana. Elle a toujours aimé ça. Oh. Les autonautes. Elle a toujours adoré ça. Et elle a 6 ans et elle adore toujours. Vu qu'elle est Seigneur des Anneaux, bon, on va faire les Seigneurs des Anneaux. J'espère qu'il y aura les trois. Bon, ça sens pas, je les ai en DVD. Ah, mais voilà. Là, depuis quelques temps, le matin, ben, on regarde les autonautes. C'est comme ça. Ah, j'ai une qui gratte. Ah, voilà. Non, de toute façon, je suis en train de calculer que non, je n'ai pas de courrier, j'ai pas de mail à envoyer ni rien du tout. Mais bon. Si je vais aller voir ma voisine. Parce qu'hier, elle m'en est passée la voir hier soir. Oh, je crois qu'il va pleuvoir. Il y a un brouillard qui arrive. Mais le pire, c'est qu'il fait 21 dans l'appartement. Il fait que 13 dehors. Et on meurt de chaud. Quoi, moi j'ai chaud chez moi. Mais bon. Bon. On va s'activer un peu, mon gros.
On bouge un peu, on s'active, on commence à faire les choses. Elle est en train de me regarder, de quoi tu me causes? Hein? Ouais, tu vas aller sur le lit à maman, tu vas faire dodo. Ah, comme d'hab. Mon gros. Bon, mais écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Pot de colle. Pot de colle. M'a lâché à peu près 1 heure cet après-midi pour aller faire dodo. Après, le reste, il est avec maman. Non, non il reste avec toi. N'inquiétez pas, j'ai mon autre pot de colle là aussi que j'ai récupéré. Parce que là, on est toujours jeudi. Il est te faire un bisou. 5h30. Baisse un peu mon cœur, s'il te plaît. Il est 5h30 et là, Morgane, moi, on vient de faire les devoirs, quoi, les devoirs et tout. Et là, ben, regarde. Elle regarde les vidéos. Elle regarde un Bixem. Elle aime bien. Et moi, il est toujours mon bébé pot de colle. Voilà. Et là, je suis en train de regarder une vidéo d'action sur toutes les décos, vu que je voudrais changer de déco chez moi. Je voudrais changer de meuble chez moi aussi, de place, mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Alors, mon gros. Ah, voilà. C'est pas... Non, en plus, ça, ils ont sorti toutes les décos de Noël. Il y a plein de vidéos sur... sur les décos de Noël, là. Purée, ça y va. Yana. Ah, il faut que je l'ai. Il faudrait que je l'achète le mois prochain. C'est... ça gratte. C'est un village de Noël. Quoi, pas un village. Il y a quelques maisons, c'est un gros sapin. Le haut où il y a le train qui passe dedans. Il faudrait que je l'achète. Enfin, c'est clair et net. Eh bien. Oui, il faut que je range mon linge. Voilà. Quand je vous dis que c'est mon pot de colle d'amour, c'est mon pot de colle d'amour, c'est mon gros bébé d'amour. C'est mon gros bébé d'amour, comment m'embête. C'est mon gros bébé d'amour. Allez. Alors voilà, il y a des trucs que j'ai vus pour les décos de Noël. Ah bah ça va être joli. Heureusement que je prévois pour 200 euros. Parce que... je crois que ouais, il va en avoir à peu près pour 100, voire... Ouais, à peu près déco. Donc, bah oui, comme je refais toute ma déco. Comme je la refais toute ma déco et tout, bah, il faut que je rachète des guirlandes et tout. Mais de toute façon, il faut que j'achète une guirlande pour mettre dans le coin cocooning de Morrigan. Et au-dessus de son armoire, au-dessus de son lit. Parce que la prise, ça, il est carrément dessous son lit, à cause comme son lit, c'est un lit mezzanine. C'est un peu galère. Alors là, j'ai peut-être voulu acheter une guirlande un peu comme les étoiles, où elle a juste sur un bouton à appuyer. Et ce sera plus simple. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, j'aurais dû faire psy. Une formation de psy, c'est que, comment vous dire que... D'accord, oui, et quoi? Parce que, comment vous dire que...
Ce matin, c'est simple, j'ai déposé ma fille à l'école, comme tous les matins, ça, jusque-là, ça va. Je suis rentrée chez moi, j'ai bu mon café, je vous ai parlé, jusque-là, ça va. J'arrête mon téléphone de filmer. Je commence à ramasser tout le tout bazar de ce matin, du petit-déj et tout le bordel. Bon, petit-déj, c'est ça, Morgane, elle mange qu'un peu en chocolat. Mettre le papier à la poubelle, ranger un peu le bordel et tout. Son pyjama et tout. J'ai une de mes anciennes voisines qui m'envoie un message. Pour savoir si je suis chez moi, j'ai fait oui, il n'y a pas de souci, je suis chez moi. Et après, bah, elle m'a appelé, total, je suis restée une heure au téléphone avec elle, qu'elle est juste au deuxième étage, au troisième étage, quoi. Elle était dans son ancien appart. Après, j'ai mon autre voisine, tonton et tata, que je vais tous les jours. Bon, à part cette année, c'est vrai que j'y vais de moins en moins, c'est parce que voilà, j'ai beaucoup de trucs à faire à la maison aussi. Que j'ai pas de temps. Pareil, je monte, on commence à discuter et tout. Ça fait même pas, quoi, 10 minutes, même pas que je suis là-haut, que rebelote mon téléphone qui sonne. Bon, c'est une voisine. J'ai fait oui, on a discuté parce qu'elle voulait parler, ainsi de suite, et voilà. On a discuté et. Après, je suis retournée. Bon, après, elle a fait ses trucs. J'ai dit, ben, moi, je vais descendre, je vais faire mes trucs aussi. Ce que j'ai à faire. Ah, mon autre voisine qui m'appelle. Je suis allée là-bas. Total, je suis descendue. 10 minutes avant d'aller chercher ma fille. Voilà. Je fais, ben, c'est chouette. Il y a des jours comme ça. Où il n'y a pas. Et là, après, bon, bah, 1 h 30, je suis allée déposer ma fille. Mais après, bon, j'ai une amie qui vient consom qui vient pour. Qui, non, au moins, qui fait le ménage dans notre immeuble, comme elle est en congé maternité. Et puis, bah, elle vient, on boit le café ensemble et tout. Jusqu'à peu près 2 h 30. Et après, j'ai eu des coups de fil à passer, voilà. C'est cool, j'en ai marre de. Là, demain, il n'y a pas à tortiller. Il faut que je fasse mon linge là, que je range mon salon comme il faut. Il n'y a pas à tortiller, j'ai pas le choix. C'est comme ça. Mais bon. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. C'est comme ça. Hein, mais bon, hein, c'est pas mes deux garçons là qui vont dire le contraire. Eux, ils font que dormir. Le seul souci à savoir, c'est savoir où est-ce qu'ils vont dormir. C'est tout. Eh mon gros. Ici gris. Ça va? Ah ouais. Il y a des jours comme ça et en plus il flotte, je vous dis pas le truc. En début d'après-midi, il faisait beau et vers 4 h, il s'est mis à pleuvoir, à faire orage. Je fais c'est cool. Tout va bien. C'est ma voisine. Quoi, c'est l'enfant de ma voisine. Bon, sur ce, je vous dis à plus tard. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est vendredi 17. Il est 8 h 25. Ça fait un moment que j'ai déposé mon bébé à l'école. Là, ben, j'ai sorti ma poubelle que j'avais à sortir. J'ai commencé à ranger. C'est pour ça que j'ai chaud. Que j'ai envie de manger parce que sinon, il fait que 15 dehors et 20 à la maison. Et c'est que voilà, je commence à bouger un peu, à faire un peu de trucs comme je peux parce que. J'ai mes reines qui ont débarqué, c'est hier soir, alors c'est cool. Mais bon, c'est comme ça. Là, je vais aller terminer de ranger. Parce que bon, demain c'est samedi, et j'ai mon bébé à la maison, et que ce soir,
faut que je m'occupe de mon bébé, que je fasse un soin de la peau et tout, parce qu'elle a des petits boutons qui commencent à pousser. Je sais pas pourquoi. Pourtant, elle se lave comme il faut, mais bon. Maman va s'en occuper et elle va être contente. Il faut aussi que j'ai vu que là, elle avait des ongles qui se cassaient. Sans faire qu'ils s'enlèvent, qu'elle me dit, maman, j'ai ben oui. J'ai ce soir et ce week-end, on s'occupe de toi, mon amour. Fais soin de la peau et on fera des ongles. En plus, il y a des masques que. Je vais voir s'il y a des masques que j'ai pris. Si oui ou non, je peux en mettre pour ma puce. Parce qu'il y en a, c'est marqué dessus, faut qu'il y ait plus de 13 ans. Mais les autres, je vais voir. Mais de toute façon, au pire des cas. Avec mon lait de chèvre et tout, je pense que ça ira très bien. Là, elle commence à me sortir des boutons, là. Mais bon. On va s'occuper comme il faut de mon bébé. Et voilà pour aujourd'hui. Et voilà. Comment dire? Là, si j'ai une amie qui va venir, qu'on va venir à chaque fois pour qu'on boive café ensemble, est-ce que là, j'ai préparé un sac de chaussures de Morrigan qu'elle m'a porté une ou deux fois et que je lui donne pour sa petite. Ouais, comme ça, elle n'a pas acheté de chaussures. Après, ben, moi, là, je vais ranger tout mon bazar. Tout ce que j'ai arrangé, parce que là, il faut aussi que je m'occupe de mes deux garçons, que je change la litière et tout, et que je m'occupe aussi de Grisette. Mais ça, Grisette, je vais le faire avec Morgane parce qu'elle aime bien la changer, Grisette. Parce que je la fous dans sa petite boule, dans une petite boule, le temps que je change la cage, ça veut dire 10 minutes à peu près, parce que la cage, je la lave, comment dire? Oui, j'enlève tout. Et après, je vais la laver avec du produit de la vaisselle et tout. Comme ça, elle est propre et tout. Et j'ai pas de soucis de ce côté. Ah voilà, le temps que je nettoie tout, ben, elle reste dans sa petite poule là. Et Morgane, elle est juste à côté. Et voilà, et après, ben, tranquille. Là, on va faire ça. Là, j'ai une machine qui tourne parce que hier, je voulais mettre une machine haute et j'ai zappé. Ben heureusement, parce que j'ai mon linge que j'ai étendu avant-hier qui est toujours pas encore sec. Ben, nous, là, ça se voit qu'il n'y a pas de chauffage au sol et je pense qu'on aura à la fin du mois. Alors, c'est vrai que le linge, il met plus de temps à sécher. Il faut compter 2 jours dedans. Mais bon, c'est pas comme ça, là, je vais étendre. Et voilà. Bon, moi, je vais vous laisser parce que je crois que. Et je vous dis à plus tard. Bon, coucou tout le monde. Bon, j'ai chaud. Il est 11h20. Dans 5 minutes, je vais chercher mon bébé. Putain, la tronche que j'ai. C'est que je viens de ranger. Bon, ça a donné un grand coup de balai. Je vais juste redonner un coup d'aspirateur lavé. Trier les jouets de ma fille, ceux des chats. Voilà, là, je suis en train de voir pour changer un peu tout. Parce que si vous voulez, j'ai un meuble à côté de mon bureau, un petit, et j'en ai un grand. Et entre, en fait, j'ai foutu mes deux vieilles imprimantes qui ne marchent plus. Et j'ai empilé les papiers dessus. Plus les classeurs et tout, et que là il faut que je change et que là je vais enlever les imprimantes, les jeter. Désolée, mais j'ai chaud. Je vais aller les jeter et tout. Et quoi, d'abord je vais les mettre dans ma cave parce qu'après j'irai les acheter, les jeter à la déchetterie plutôt. Et voilà, parce que là, oh, là j'en ai du bordel. Comme ça, parce que en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de quoi? Pas depuis tout à l'heure, ça fait un moment que je calcule pour pouvoir
changer mes meubles de place. Parce qu'en général, vers la période de Noël, par là, je change tout de place. Je mets... Je sais pas si... Oui, j'ai encore un peu peur de... Je mets ma télé là, contre le mur. Mon canapé, je le fous juste là devant. Et tous les meubles que j'ai là, je les fous là, comme ça, en général... Désolée, ça a coupé, c'est que j'ai eu un coup de fil et tout. Alors, comme je vous disais, d'habitude, je mets le sapin juste là dans l'angle. Mais après, ça fait trop petit. On a du mal à passer, c'est trop petit, c'est chiant. Et l'année dernière, bon, j'ai laissé comme actuellement, c'est le canapé là, j'ai tout qui est là. Et là, avec le gros sapin, si j'ai pas calculé, c'est qu'il va être gros, grand. J'ai dit que je vais ranger tous mes papiers là. Que tout je vais passer maman. Ben passe. Pika, qu'est-ce que tu fais? Alors ce que je vais faire, ben, je vais trier là où j'ai mes deux imprimantes qui sont passées. Je vais enlever tous mes papiers, je vais les ranger dans un meuble à côté. Pousser pour pouvoir mettre le sapin comme il faut. Calme-toi. Pour pouvoir mettre le sapin comme il faut au mois de novembre. Ah, au courrier, j'ai reçu ici. Vous savez, c'est pour faire mon journal là. Ça, ouais, j'avais racheté une paire de ciseaux comme ça. J'avais un papillon. Comme ça. Une petite fleur. Fleur et. Plein de feuilles comme ça là-dedans. Et en plus. En plus. Qu'est-ce que tu fais? Que ça, bon, je l'ai eu. Mais que maintenant. Que je pensais l'avoir avant l'anniversaire de ma douzette. Attends. Attendez. Bon, je devais la recevoir avant, mais je l'ai reçue que maintenant. Cache ta tête! La couverture de ma fille, de la Reine des Neiges. Ouais. Tiens, regarde. Ouais. Mais d'abord, on va la laver. La laver. Tu la mets devant la machine à laver, c'est ouvert. Oui, maman. Comme ça, je la laverai tout à l'heure. Moi aussi, je t'aime. Et oui, je devais la recevoir pour le 9 septembre. Et je l'ai reçue qu'aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Déjà, je vais voir un truc. Mais bon, c'est pas un souci. Je vais la laver et ouais. Voilà. Vous êtes de trois. Alors là-dedans, c'est quoi? Personnellement, je ne me rappelle plus du tout. Et je crois que c'est bon de ce que j'avais acheté. J'ai tout. J'ai chaud, je vous dis, j'arrête pas là. Ah oui. C'est des trucs comme ça que j'ai dit. Voilà. Ah mais c'est cool, on va faire tout ça. Voilà pourquoi j'ai acheté les tiroirs. Ouh. Voilà. Mon cœur reste pas trop derrière maman, s'il te plaît. Parce que je suis à une vidéo. Ah voilà, tout est bon. Tout fait. Là, il me montrera juste que là, ça prend même pas un coup d'aspirateur. Un coup de lavage. Ranger un peu là. Voir comment je vais faire. Mais ça, je pense que je le ferai demain. Oui, je joue mon cœur. Je crois que ça, je le ferai plutôt demain. Comme ça, je suis tranquille. Déjà, j'ai mis tout mon salon, ma cuisine. Je suis tranquille. De ce côté. Est-ce que... Comme ça, demain, je vais pouvoir m'occuper de mon bébé. Prendre soin de sa peau, là. Mais je sais pas pourquoi elle me sort comme ça des boutons là. Normalement c'est pas ces stages là. Hein? Mais bon.
Pika, tu fais quoi comme bêtise? Non, pendant que j'étais en train de trier, ranger un peu tout, j'avais mis Tigris dans mes pattes. Pika aussi, je suis bon là. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais, mon Regan? Te mets pas trop derrière moi parce que si je bouge. Oui, je vais te faire mal. Mon cœur, le carton. Voilà, comme ça, je pourrais mieux faire les trucs super classe. Oui, je sais, il y en a qui peuvent comprendre, d'autres non. Il y en a qui vont dire que ça sert à rien, si Amy, que je. Vous savez quoi? C'est ma vie, je fais ce que je veux. Il dit que ça se met sur le canapé, la tortue. Oui, on peut. Non, il dit pas. On peut la mettre sur la couette, sur le canapé. Il est froid. Voilà. On la mettra avec les autres couvertures là au pied du canapé. Comme on fait. Voilà. De toute façon, il faut que non, parce qu'il y en a, faut que je les jette parce qu'elles sont toutes abîmées et tout. Alors. On verra comment ça va être. Voilà. De toute façon, je m'en occuperai ça cet après-midi. Déjà cet après-midi, j'ai ma machine à étendre parce qu'elle a fini. On va faire tourner une autre. Et voilà. Ça. T'es rangé dedans. Oui, toi, ton truc, il a fait sonner pour dire qu'il a fini de chauffer. Oui, elle mange du riz et comme il reste du riz d'hier, on va finir le riz d'hier. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Morrigan, tu veux quoi comme sauce? Tu veux quoi comme sauce? Pourquoi je pose la question moi aussi? Hein, pourquoi vous posez des questions à la neneu qu'elle me prend toujours cette sauce maintenant? Cherchez pas à comprendre. C'est comme ça. Voilà. Bon, il a eu un peu d'éclaircie et là c'est rebelote. On dirait que ça va refaire gris. Cool. Tout va bien. On regarde. Voilà. Dans un petit bol. Tiens, mon bébé. Et tu m'en mets pas partout. Ok, maman. Ah, c'est chaud. D'accord? Oui. Voilà. Hier, j'ai fait des aiguillettes de poulet avec du riz au four. Oui, parce que j'ai plus de gaz. Et il faut que j'attende la semaine prochaine. La semaine prochaine, parce que là j'ai regardé YouTube et waouh, c'est ça va pas en montant, ça va plus en redescendant. Hein? Je pensais pouvoir acheter les chaussures à ma fille, en fin de compte, je ne pourrais pas. J'aurais juste de quoi acheter deux bouteilles de gaz et c'est tout. Parce que là, ça va tout en redescendant. Avec leur truc de Pram, Amazon Pram là. De plus voir les vidéos ou quoi que ce soit, ben en fin de compte, ça nous détruit. C'est cool. C'est tout va bien, quoi. Mais bon. Alors là, ouais, j'ai de quoi juste acheter deux bouteilles de gaz et c'est tout. Et ben, les chaussures à ma fille, je les achèterai le mois prochain. Ah, pas le choix. Non, et comme j'ai plus de gaz, il faut à tout prix que j'achète du gaz. Alors, ah, pas le choix non plus sur ça. Mais bon. C'est comme ça. Oh purée. Voilà. Qu'est-ce que tu fais mon cœur? Oh j'ai chaud. Depuis que je bois cette eau, bah, c'est beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Ah voilà, bon, nous on va manger. Ouais, je vais voir ça, peut-être faire tous ces papiers, je vais voir.
Alors comment je vais faire cet après-midi, un peu tout. Et... parce que là, j'en ai du bordel à trier, à ranger. Parce qu'il y a plus de petites cuillères et qu'il faut que je mette tout à laver, que je range le lave-vaisselle et que je... voilà. Hein? Et maman, ce matin, elle a eu du monde à la maison, elle a rangé et j'ai pas le temps. D'accord? Oui, rien. Oui, comme il faut. Ouais. Tu dis quoi? Oui, mais pas trop devant la télé, d'accord? Oui, pas trop. Non, là, t'es trop près de la télé. Assis-toi pas sur le canapé. Non. Non, mais ça, c'est pour les chats, à la base, mon régal. C'est la chaise pour les chats. À quoi ça sert que j'achète des trucs, des paniers, que je mets des chaises pour les chats ou quoi que ce soit, vu qu'à chaque fois, c'est ma fille qui récupère tout. Enfin, je vous dis qu'elle a été élevée avec un chat. Bon, écoutez, moi, je vais aller manger Morrigan aussi. Et je vous dis à plus tard. Bon, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, là, il est 21h45. Morrigan, elle est au dodo, là, depuis. Ça fait pas bien longtemps, ça va faire 2-3 minutes qu'elle est au lit, là. Qu'elle a tout écouté ses livres audio et tout, qu'elle a pris sa douche. Elle est fatiguée. Je la récupère à 4h30, et après on a goûté. Et après là, elle a joué, elle était contente parce que sa couverture d'arène des neiges était sec. Elle assurait sur son lit. Mais voilà. Mais écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Un très bon week-end. Bon courage à ceux qui travaillent ce week-end et tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.